Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage express en moins de 5 minutes parce qu'on n'a pas toujours le temps d'avoir beaucoup de temps pour faire son maquillage. Alors pour ce tutoriel, j'avais envie de tester le fond de teint Air Matte de chez Bourjois. Ici je l'ai en teinte vanille. Il a une couvrance qui est moyenne, elle n'est pas... Si vous avez énormément d'imperfections, ça ne va pas être suffisant. Mais si c'est juste pour unifier le teint, ce sera très très bien. Donc j'en applique une première fois et je l'étire avec un pinceau. Ensuite, je vais venir appliquer un petit peu plus pour avoir un petit peu plus de couvrance à certains endroits. Et il a un résultat très naturel et un petit peu mat, hein, comme prévu. Mais pas trop non plus. Moi, j'aime bien le résultat assez naturel. Ensuite, je vais venir appliquer de l'anti-cerne, celui de chez MAC, le Mineralize Concealer. Comme d'habitude, aux mêmes endroits, je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Ensuite, je vais venir fixer l'anti-cerne et aussi le fond de teint avec ma poudre de chez Bain Minéral, qui est vraiment ma préférée de tous les temps. Alors, malgré qu'il y a un résultat assez mat au niveau du fond de teint, je vais quand même venir en appliquer sur les zones importantes comme l'anti-cerne et la zone T. Je vais venir ensuite donner un petit peu de couleur au teint avec ma palette chouchou de... Vraiment, c'est une palette que j'utilise tous les jours, tout le temps, depuis que je l'ai. Je l'adore, c'est vraiment une super découverte. Donc je vais en appliquer au niveau du bronzer, au niveau des joues et du front. Ensuite, je vais appliquer la même couleur pour justement aller assez vite au niveau des produits et pas devoir chercher des produits avec un pinceau fluffy au niveau du creux de paupière. Ça va vraiment donner de la profondeur au regard et donner bonne mine surtout. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais venir estomper tout ça. C'est assez rapide, hein. En une minute même pas, c'est terminé cette étape-là. Ensuite, je vais venir prendre l'highlighter et je vais venir l'appliquer comme un fard à paupières au doigt. Cette fois-ci, je reste uniquement sur la paupière mobile. Je vais prendre mon crayon pour les sourcils de chez Benefit. Je vais commencer par les brosser. Et avec le crayon, je vais venir remplir un petit peu et dessiner les sourcils, alors, toujours de façon très très naturelle. Si vous voulez un tutoriel pour redessiner les sourcils d'une façon un petit peu plus intense, même beaucoup plus intense, j'ai prévu de faire ça dans très peu de temps. Cette fois-ci, c'est pas ce que je voulais vraiment quelque chose de rapide et naturel. Je vais venir appliquer un petit peu de mascara. Comme c'est un maquillage express, j'ai choisi un rouge à lèvres qui est très discret et qu'on n'a pas besoin de travailler énormément, qui est le Brave de chez MAC. Donc voilà, il donne bonne mine, il est rosé, il est très joli. Je détache mes cheveux et j'ai déjà terminé. Voilà, je vous avais dit, c'était un tutoriel très rapide pour tous les jours, pour avoir bonne mine. J'ai fait le minimum, voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye !